Tu sais, à ce moment-là, on avait tous déjà un peu abusé de la bouteille, hein. J'aurais aimé voir ça. Mais quelle bande de charlots. Attends, c'est pas tout. Là, le bleu, il me dit mais pourquoi bon, on a du dent? En même temps, il pouvait pas savoir, le pauvre. Oh, arrête, hé. Même toi, tu l'aurais pas fait, celle-là. Oui, mais n'empêche qu'en attendant, hein, ça a pas traîné, hein. Et hop, 50 pompes. Ouais, bon, allez, c'est bon, les gars. Ah. Oh, William, ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh. William? Ça va, William? Ça va, ça va. Allez, petit, raconte. Hein? Déjà? Allez, ne te fais pas prier. Et allez, c'est reparti. Oh, arrête un peu de râler. Oh, mais je râle pas, puisque c'est ça. Je dirais plus rien. Oh, ça va, Victor, on connaît la musique, hein? Hé, hey, on commence à te connaître. Alors? Bah, comme d'habitude, le serveur du bistrot finit d'installer la terrasse. Il passe un dernier coup de torchon sur les tables. Un vent léger agite les feuilles du grand marronnier. On s'en tape de la météo. Ah, de toute façon... Mais laisse-le raconter. Quoi d'autre? Bah, rien de particulier. Ah si, attendez les gars. Devinez qui arrive. C'est la brunette de l'autre jour. Oui. Je vous l'avais dit. J'étais sûr qu'elle reviendrait. Alors, comment elle est aujourd'hui? Elle est toujours aussi belle, avec ses longs cheveux au vent. Cette brise légère, faisant virevolter l'étoffe délicate de sa robe. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? Tu vas pas nous faire un couplet à chaque fois qu'elle passe? Chut. Elle est toujours là? Oui. Elle s'est installée à la terrasse. Et elle fait signe au serveur. Tiens, on dirait qu'elle regarde par ici. Ah non. Et maintenant? Maintenant? Le serveur lui apporte un café. Je crois que lui aussi est complètement sous le charme. Elle est tellement craquante quand elle sourit. Elle s'allume une cigarette. Et d'un geste gracieux, elle porte la tasse à ses lèvres carmin. Sa délicate silhouette se découpe derrière l'écran de fumée de sa cigarette au filtre rougi. Un courant d'air passe. Elle fait... Mais arrête! Arrête! Tu nous fais chier avec ta poésie du dimanche. Et vous autres, là, vous êtes vus? Ils sont beaux, les héros romantiques. Non, mais regardez-vous. Un bataillon de débris. Une escouade de rebuts. Voilà ce qu'on est. C'est pathétique. Thank you.
Alors ? Tiens, c'est marrant. Je le voyais pas du tout comme ça, moi, le bistrot. C'est vrai que c'est un joli coin ici. Et puis, c'est plutôt calme aujourd'hui. À part trois vieux qui discutent là, sur un banc, il n'y a pas grand monde. Tiens, il y a un vélo blanc posé contre la murette. C'est certainement celui de la petite.